What's up, la gang? C'est Cloco. Cloco en compagnie de toute la famille. Oui! Puis là, encore une dégustation aujourd'hui. Cette fois-là, j'ai été un matin au Vatélite. Ils sont rendus avec des bonbons. Fait que, en plus, ils ont bien été super gentils. Ils m'ont donné un drink. Sûrement vous connaissez de Logan Paul. On va commencer par tous les drinks. Okay. Fait que le premier, c'est un Fanta. C'est marqué Elflower and Lemon. Fait que c'est ça. C'est aux fleurs, à la fleur. Aux fleurs et aux citrons. Un, deux, trois, go! Non. Ça goûte un shampoing. Ça goûte les bonbons. Non, j'aime ça, moi. Moi, j'aime ça. Vous aimez ça? Non! Moi, oui. Non. Ça goûte les fleurs. Non, trois. Prends un 4. 10. 4. 5. C'est quand même bon. C'est quand même pas si pire. Elodie va aller vous montrer ce qu'il y a. C'est une Mountain Dew, mais... Mystery flavor. Mais... Ah, je sais pas. Ça goûte comme soda. Ça goûte le crème soda. Pour vrai, c'est très bon. Ça goûte les... Ça goûte le crème soda avec l'orange. Ça goûte les sour patch. J'aime bien, moi. Moi aussi. Moi, j'en veux d'autres. T'en veux d'autres. Hello, ta note? Bon, 8. Un 9. 10. 7. Avec un 8. Celle-là, vous devez connaître cette boisson-là. C'est la boisson du YouTuber Logan Paul, qui est un genre de style Gatorade. Tropical. D'après ce que le punch garçon m'a dit. Ouais, elle l'a eu gratuit. Le gars m'a dit que dans le fond, c'est comme du Gatorade, mais on sent plus le goût du Gatorade que le goût de l'eau en arrière. Puis il est fait avec l'eau de noix de coco. Oh wow, c'est ça, oui. 1, 2, 3, go! Hey, c'est plus concentré à Gatorade. Ah, pour vrai, j'adore. Ah, j'aime ça. Pour vrai, j'adore. Ça goûte vraiment bon. Très sucré. C'est pas sucré. Ouais, c'est sucré. C'est très, très sucré. Moi, je suis... C'est pas pire, mais... Ça goûte pas mauvais, mais c'est trop sucré. Ta note? 6. Moi, je donne ça à 10. Ma, ta note? 10. 10! Il y avait aussi pour un 7 parce que c'était quand même assez sucré. Dans les trois sites, on va commencer par celui-là. À saveur de citron. D'après ce qu'on peut voir, parce qu'on comprend pas trop qu'est-ce qui est écrit. C'est ça. Ouais, ça fait un pic. Ça pète, ça pète, ça pète, ça pète. On vient faire un volcan. Ah, il y a une bulle dedans. Ben ouais, oui, c'est comme... C'est la petite bille qui... C'est la bille qui fait pétiller. Ouais, ça l'ananas. Ok, non. Je l'ai craché. Moi, je trouve ça... Ben moi, je bois de la boblie, j'étais habitué de boire ça. Ouais, c'est ça. Ta note? Pas 2, pas bon. Ah, j'irais un 8. 0. 0, 1 pour les fleurs, 1, 2. Fait que celui-là, il est à une saveur de fleurs qu'on sait pas comment c'est dire ça. Marqué original taste, puis Ataramune. Faut que tu pèses fort. Mets ton poids dessus, oui, là, j'ai vu mon... Ouais, fais ça. 1, 2, 3, go. Ça te prend pas de le prendre. Ah, il est pas mauvais, lui. Non, ah, lui, il est pas. Crème soda. Il goûte la crème soda. C'est du crème soda. C'est du crème soda version japonais. C'est du crème soda chinois. Elle a dit, tu t'en as. Ah, un 5. Ah, un 8. Comme d'habitude, trop sucré, mais pour le coup, c'est pas. C'est nous le goût. 0. Un 6. Je dirais avec un 2 parce que le goût est bon, mais c'est trop sucré. Le dernier est au yogourt. Ah! C'est vrai qu'au yogourt. Au yogourt! Fruit dessus! Je le redoute un petit peu celui-là. Mets ton poids dessus, tout ton poids. Tout ton poids! J'ai rien! De quoi ça sort le corps? Oh! Oh, ça pue! Je veux pas ça! Oh, ça sent vraiment le corps! Ça sent le corps! Ça goûte la vanille. Go! Ah, moi, je l'ai pas aimé. 7. 2. 8.
0.5. Ouais, 2. On y va avec le soleil. C'est des graines de tournesol à la sauce ranch. Ah, c'est ça, les graines de tournesol. C'est pas c'est quoi le goût. Mais tu manges le poil. Bon, ça sent bon. Bah! Oh, ça goûte vraiment la sauce ranch. Non, c'est bon. Non. Moi, je goûte rien, ça goûte la non. Truc au barbecue. Non, non. Voilà. Si vous n'aimez pas la sauce ranch, oubliez ça. Non, j'aime ça, moi. Ça goûte vraiment fort, la sauce ranch. En plus, c'est bon. Ça goûte. La note, elle a dit à toi. 9. Pas. Négatif 28. Moi, c'est 10. Ça va pour un 8. Ça va pour un 9. Je vais goûter à Barba Papa. La Barba Papa. Oui. Wallhead. Oh, yeah. Ça y est, c'est je vais vous montrer un petit peu. Pas capable d'ouvrir. Voilà. Ah, salut! Olé! Ça sent rien? Bah, c'est comme la barbe à papa, normal, ça sent pas. Ça sent rien. Hey, tu fais rien, mon frère! 1, 2, 3, go! Oh, elle fait peur, hein? Il vient tout le temps. Ah, c'est bon? Super bon! Ça goûte les bonbons aux cerises. Mm. Ben d'ailleurs, c'est moi, c'est ça qui m'a caché. C'est vraiment ça à gauche. Meilleur baba papa. Ouais, il y a des bouts de sauce rette en titi. Ah, c'est bon. Non, mais il y a des bouts de surette pour vrai. Genre, quand t'arrives à la fin, il est surette. Pourquoi il est surette? Est-ce que tout le monde a un 10? 100%. Ben, 100% pour tout le monde, 10. On y va avec des yeux. Oui. 1, 2, 3, go. J'ai même mis sa langue. Hey, il essaie de me donner une machine. Hey, c'est vrai, c'est drôle. On recommence, les notes. Oh. Un 8. Un 10 et demi. Un 100% avec mon chat. 4. 7. Des sandwichs. Ok, les sandwichs. Les patchs. Ouais, les patchs. Ouais, on y va. 1, 2, 3, go. On sent bien le goût de la pêche. La seule chose qu'on a sortie. Ça goûte la même chose que les petits qu'on reçoit à l'Halloween. Un bon 10. Hein. Ouais, moi aussi. Un bon 10. Moi aussi. C'est dégueulasse. Ça goûte ça? Non. Moi, je vais avec un 10. Ça goûte un sac plastique. On va y aller à Star avec les jelly beans et surette. Des jelly beans surette. Ouais. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de plats. Donne-moi le sac. Moi, je veux les rouges. C'est vrai qu'il y a tout. Yeah. Ah, t'as aussi bien vidé le sac dans ma main. Donne-moi le sac. Ouais, c'est vrai, t'as d'autres couleurs. J'ai pas mal tout en double, pas en triple, les couleurs, me dit. Oh non, ben trop bon. Êtes-vous prêts? Mais c'est... Elle a déjà mis dans sa gueule! Non. 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 Il a mis tout dans sa bouche. C'est bon. Ça me fait non, ça goûte des couleurs. Ça goûte des couleurs. On va avec ça un autre truc surette. Ah. Hey, on n'a pas donné nos notes? Ouais! Nos notes sur les Elle a dit ta note. J'irais pour un 8. Moi, j'aime ça. Moi, je dis ça. À 2 à ça ici. Oh. Ça, c'est un bonbon que j'aimerais manger sur les huiles. On dirait les petits bonbons qui sont sûrs. Les petits bonbons sucrés que tu mets dans la bouche et tu fais ça. Ouais. Mais non, en pâte, c'est vraiment super bon. Un 10 même que. 10. Jusqu'à là, je trouve ça meilleur encore que la barbe à papa. 7 fois ça. Allez pour un 10 aussi. On est déjà rendu au dernier. Puis c'est le Kit Kat au muffin au bleuet. 1, 2, 3, go.
Ah, ça goûte le biscuit. Ça goûte les biscuits bleus, hein. C'est bon. C'est bon. Ça, vous aimez ça? C'est bon. Ça sent bon dans ma bouche. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, lâcher un commentaire. Aussi, si vous voulez aller explorer ce beau magasin, c'est à Matane. Donc, les gens sont super. Donc, on vous souhaite une très belle soirée. Puis, tout dépend de comment vous regardez la vidéo. Et on vous dit, bye!